Bien-aimés, à Soya, nous pourrons partager le message de la parole de Dieu. À Soya, nous pourrons gagner une parole d'exhortation. Une parole d'exhortation, c'est tout simplement une parole d'encouragement pour amener nous à faire un bagage qui, selon la volonté de Dieu, une exhortation, c'est pas jouement, c'est pas parole piment bouc. Exhortation, il voulait dire tout simplement encourager nous à faire ça qui est dans volonté bon Dieu. Et à Soya, nous pourrons gagner une parole d'exhortation que nous avons dans le livre de Corinthiens. Au premier chapitre, la première épître, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1er à 16. Et c'est là, ma pévito, bien-aimé, ouvrez Bible avec moi. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1er à 16. M'espérez ou gagnez Bible. Si vous n'avez pas gagné Bible, ce n'est pas grave. M'appelez pour vous, côtoyez à respecter la parole là dans le cœur. Pendant ou à méditer sur lecture passage ça. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de votre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chlorée qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphana, du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Parole du Seigneur et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, assoyez-vous, ta remain, j'en m'en étais annoncé li déjà, exhortez-nous sous parole ça. Ayez un même langage. C'est pour nous gagner un même langage. C'est pour nous gagner un même langage. Ou qu'on ait dit langage, c'est la pensée extériorisée. Le monde parlait très souvent, l'y exprimait à travers paroles, ça qu'a passé dans l'esprit. Si exhorter nous pour nous gagner un même langage bien-aimé, c'est parce que quelque part dans l'esprit nous tous gagnons un changement, gagnons une transformation qui t'est faite. Puisque nous animés par l'esprit qui est en Christ, puisque nous animés par le Saint-Esprit de Dieu qui vive dans nous, eh bien, il est possible pour nous gagner un même langage. Un même langage, pas vle dit, n'a toujours d'accord sur toute bagaille. Mais un même langage vle dit, même dans niveau de désaccord, l'Esprit de Dieu qui anime nous tous ensemble,
afin nous toujours été unis pour la gloire de Dieu. Désaccord yo pas source de division, désaccord yo pas source de tension dans mitan nous, mais au contraire, parce que l'Esprit bon Dieu traversait nous toutes, même dans mitan désaccord que nous avons gagné, n'a toujours été encore unis, soudés pour la gloire de Dieu qui a manifesté dans nous. L'apôtre Paul, bien-aimé, a écrit lettre ça aux chrétiens de Corinthe et m'a toujours aimé encourager le m'a partager la parole de Dieu pour me voir quelques contextes qui ca aidé plonger dans lecture la parole ou même. Et moi penser ça yo bien-aimé, yo ca encourager aller en profondeur dans ça la parole de Dieu a enseigné. Lorsqu'on est dans qui contexte lettre yo écrit, lorsqu'on est dans qui contexte encouragement yo te bail, li permet ou mieux lire sa wap liyan et pour peut-être comprendre encore plus toujours. Eh bien l'apôtre Paul bien-aimé l'a écrit chrétien corinthiens. Chrétien corinthiens qui c'est youn dans l'église que l'apôtre Paul t'a établi en dehors du peuple juif, en dehors de culture juive là. L'église de Corinthe sont l'église qui fait essentiellement de païens, c'est-à-dire c'est de monde qui pas dans observation de la loi de Moïse, c'est pas de juifs moun sa yo teye essentiellement. C'est de monde qui viennent rentrer, accepter le Seigneur Jésus sans que yo pat gen aucun rapport avec la loi de Moïse, yo pat konnen observer la loi de Moïse. Donc moun sa yo vini avec une culture qui pas la culture juive, qui complètement différent et yo pat konnen l'Ancien Testament, Jean ou te ka espéré yon juif ta konnen l'Ancien Testament. Et l'église ça l'apôtre Paul t'a établi li alors que le tapé effectué un voyage missionnaire quelque part en Grèce et le l'aller visiter la Grèce yo pas recevoir message li un message du salut en Jésus-Christ. Grec yo refuse message ça à part yon famille qui t'a accepté le Seigneur. Tout monde campé contre l'apôtre Paul et bien le Seigneur Jésus pral à travers yon vision dit l'apôtre Paul pour décamper pour aller à Corinthe parce que li getan gagné à Corinthe de moun que yo préparé pour recevoir message là. On petit parenthèse m'a fait rapidement par rapport à point ça bien-aimé. Nous-mêmes serviteurs et servantes de Dieu, le bon Dieu relé nous pour nous bay un message yon côté. Faut que nous pas jamais mette dans tête nous bien-aimés que c'est nous-mêmes qui pral convertir personne. Nous pas gen autorité pour nous convertir moun. Nous pas capable transformer moun. Nous pas capable amener yon moun à recevoir la bonne nouvelle de l'évangile. Ça seulement nous capable faire c'est partager la bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit bon Dieu qui a fait travail pour convaincre cœur moun nan. C'est ça que fait si nous mettons tête nous gon devoir pour nous convertir et transformer moun. Nous qu'arriver en côté nous frustrer dans ministère nous. Nous qu'arrivons côté nous gain impression ministère nous pas porter fruit parce que pas jambe gain monde qui converti. Si nous ta gain situation ça qui présenté devant nous, l'exemple apôtre Paul lance son exemple pour rappeler nous, c'est pas nous-mêmes qu'a converti personne. C'est le Seigneur Jésus qu'a touché à travers Saint-Esprit, que ça qui doit toucher. Et c'est lui-même qu'a fait travail à grandir. L'apôtre Paul allait en Grèce. L'y établi pour prêcher la bonne nouvelle, personne pas recevoir, au contraire, yo levé d'elle. Lorsqu'on titan ou a li acte des apôtres chapitre 18, et le Seigneur Jésus pral dit Paul, eh bien, on m'a quitté, koto yéan, ma voyo à Corinthe, parce que à Corinthe, moi getan préparé de cœur pour le recevoir, avant même l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, t'es partagé la bonne nouvelle. Bon Dieu getan font travail de préparation des cœurs. Tout ça l'apôtre Paul t'a dû faire, c'est dans l'obéissance quitter côté liéant pour aller côté bon Dieu voyer là. Alors c'est monde qui baite tout devoir pour travailler dans le champ de Dieu. Faut qu'on comprenne bien qu'on pas mettre tête ou qu'à prêcher et selon ou même ou prêcher bien, selon ou même ou partager le message, témoignage ou prêcher pour ou malgré ça
moun ki nan fanmi an pa janm aksepte le Seigneur. Malgré ça, moun ki autour de ou voisin ou pa janm aksepte. Ou ka dit tout mais gon bagay m pa comprend pou ki sa yo pa aksepte, mwen fè tout sa m ta dwe fè. Eh bien, ça pa dépend de ou. Ça pa dépend de ou, m pa ta reme personne découragé parce que yo te prêché, yo te partagé le message de la parole de Dieu, la bonne nouvelle avec yon moun. Et puis moun nan li ta fait sou d'oreille. Ça pa dou un sujet de découragement parce que gen yon temps bon Dieu fixé pour chaque bagay. Ou gen droit moun nan pas accepter le Seigneur tout de suite. Mais c'est ti graine sorti planté ya qui pral grandi nan moun nan jusqu'à ce que peut-être on le alors que ou même ou gen droit pas même nan entourage moun sa encore. C'est l'heure moun nan vin accepter le Seigneur. Donc l'apôtre Paul quitté Grèce côté le Téhéan pour aller en Corinthe. Encore une fois Corinthe, moun k'ap vive la yo, c'est pas de moun qui était essentiellement de juifs, c'est de moun qui nan culture grecque là k'ap vive nan yon style de vie païenne. D'ailleurs, l'on lit sous histoire Corinthe, ou après ou te ka comparer Corinthe à San de Carrelé, Las Vegas pour m'apprendre yon exemple États-Unis. C'est côté moun yo yo vive li vie yo en toute libertinage. C'est côté moun yo y a vive dans une grande cité, gagne commerce qui florissant à Corinthe, gagne en pile aller-retour, gagne moun k'ap rentré, gagne moun k'ap sorti. Le moun yo rentré sorti comme ça, yo vini avec toutes sortes de cultures, yo vini avec toutes sortes d'idolâtrie. Chaque groupe moun gagne dieu yo gagne idole pa yo adoré. Donc dans la ville de Corinthe, mes bien-aimés, ou gen yon brassage de culture, yon brassage de croyance, yon brassage de mœurs, de pratiques, tout bagay sa yo, li vin kreye yon situation de yon dynamique. Côté Corinthe, c'est yon grande ville, prostitution, l'argent, en pile bagay a brassé dans ville sa. Eh bien, c'est dans ville ça mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul pral établi yon ministère alors que bon Dieu t'a relé pour l'al prêcher. Et l'église ça bien-aimé que l'apôtre Paul t'a établi par la grâce de Dieu dans année 51 yo, li établi l'église en commencé marcher dans la foi, yo recevoir même Jean bon Dieu t'a fait l'apôtre en promesse, la bonne nouvelle de l'évangile. Un peu plus tard, bien-aimé, vers l'année 54, Paul pral recevoir de nouvelles qui ont été gens inquiétants par rapport à l'église ça, l'église Corinthe. Yo écrit l'apôtre Paul lettre. Non seulement yo écrit l'apôtre Paul lettre pour yo poser un ensemble de questions sur quelques sujets qui traversaient l'église là, mais l'apôtre Paul tendait quelques bagages qui passaient dans l'église là. Et c'est ça nous saute dans premier épître, dans premier chapitre. L'apôtre Paul fin rend bon Dieu grâce, bye bon Dieu, remerciement pour l'église là. L'apôtre Paul a rappelé chrétien corinthio dans qui qualité moun yo mette confiance yo, qui qualité salut yo recevoir, qui qualité richesse qui gagnait dans acceptation yo de la bonne nouvelle. La parole de connaissance, le témoignage de Christ qui t'est établi parmi eux. Et tout de suite après, les fins dit bon Dieu merci pour eux. Les fins fait eux songer qui qualité richesse yo recevoir, qui qualité connaissance solide yo recevoir. Le yo accepter la vérité de Jésus. Les fins encourager eux, les fins dit bon Dieu merci pour eux. Et à partir du verset 10, li pral commencer mot exhortation yo. Li pral commencer mot exhortation yo. Et li pral di yo au verset 10, je vous exhorte frère par le nom de notre Seigneur à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. M'a mandé nous en vertu de tout ça me saute dit avant yo, de grâce extraordinaire que nous recevons dans le Seigneur Jésus. Mais ça m'a exhorté nous pour nous faire. M'a exhorté nous pour nous pas gagner division dans mi temps nous. M'a exhorté nous
pour nous toutes nous rester unis dans un même esprit, avec un même sentiment. Parce que mais qui ça m'apprend? M'te dit nous, chrétien yo te écrit l'apôtre Paul lettre pour yo mander l'apôtre Paul pour li ba yo enseignement sous quelques sujets. Mais l'apôtre Paul pral dit yo tout, moi tendez quelque bagay k'ap traverser dans assemblée nous an. Et c'est Chloé qui fait me connait bagay sa yo. L'apôtre Paul pa dit yo dit. L'apôtre Paul dit clairement mais qui moun ki apprend moi ça k'ap passé. Verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Mais ça m'apprend. C'est moun kay Chloé qui apprend moi. Mais ça k'ap passé dans l'église là. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Mais ça moins apprend. Gen un groupe moun k'ap parlé, k'ap dit moi-même, m'c'est moun l'apôtre Paul. Gon l'autre groupe k'ap parlé, k'ap dit moi-même moi c'est moun Apollos. Gon l'autre troisième groupe encore k'ap parlé, k'ap dit moi-même moi c'est moun Cephas ou bien Pierre. Pierre ou qu'on est l'apôtre Pierre qui était avec Jésus. Gon l'autre groupe encore k'ap parlé, k'ap dit moi-même moi c'est moun pas Christ. Et puis l'apôtre Paul pral poser aux questions, mais pour qui ça toute parole division ça? Est-ce que le Seigneur Jésus l'est divisé? Est-ce que moi-même Paul, moi t'ai mouru pour nous, moi t'ai crucifié pour nous? Est-ce que c'est non homme, moi-même Paul nous t'ai baptisé? Côté parole division ça sorti. L'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, a exhorté chrétiens corinthiens à cause de situation l'y apprendre non. On va me continuer plus loin sous question division parce que c'est lui qui intéressait nous à soyons. M'tarémer rapidement rappeler ou peut-être on bagarre ou qu'on est déjà sous épître ça, lettre ça que l'apôtre Paul écrit. L'appelé un Corinthien ou a remarqué l'est divisé en deux grandes sections. Première section qui commençait dans premier chapitre là à sixième chapitre là. L'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, a adressé toute bagaille qui était tendée qu'a passé dans l'église là. L'organisant temps m'encourage au replonger dans l'être ça à partir de premier chapitre 1 Corinthiens jusqu'à sixième chapitre là où après l'apôtre Paul a adressé toute question que lui-même l'apôtre Paul rapportait que moun kay famille chloré était rapporté. Question tant coup question division. Question qui gen poué à fausse sagesse, sagesse humaine, moun qui comptait sous philosophie payo. Question qui gen poué à charnalité. Question qui gen poué à l'ordre et discipline dans l'église là. Question qui gen poué à manque de respect pour l'autorité des apôtres. Ça, c'est la grande première section du livre de l'épître de Corinthiens. La première épître, premier à sixième chapitre, là, l'apôtre Paul a adressé problème ça yo qu'a traversé l'église là. Dans septième à seizième chapitre, là, bien aimé, voilà l'apôtre Paul a répondre question chrétien yo te voyé poser li dans lettre que yo te écrit. C'est ça que fait le repli. Un Corinthien à partir de chapitre 7 là, où j'ai l'impression, pour m'ta utiliser une image, l'apôtre Paul chita devant un cuvette rad sale, et puis l'a aidé chrétien au laver rad sale, même genre expression en dit, linge sale lavé en famille. Parce que l'apôtre Paul sorti dans un sujet, aller dans un autre. Par exemple, pour elle adresser question, divorce avec remariage. Ou après, à partir de chapitre 7 jusqu'à chapitre 16, l'apôtre Paul a parlé de questions célébrité leader yo dans l'église là. Gen côté l'église en rivé gen de super leaders, de grands leaders et gen de factions, de divisions qui créaient autour de leader sa yo. Ou après, l'apôtre Paul a posé problème confusion qui gagnait sous don spirituel yo, la répond à question sa yo, ou après la parler de question pratique païenne qui rentrait dans l'église là.
Ou après, l'apôtre Paul a parlé, par exemple, de question wall fille dans l'église, là. Toute question ça y est. C'est de question chrétien yo, là, yo écrit l'apôtre Paul lettre, yo posé pour le prendre position, pour l'expliquer sous bagay ça y est. Soit d'où qu'on est encore, là encore, c'est pour m'bo plus contexte. Les chrétiens de Corinthe, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas même j'avais nous yo teye. Le Nouveau Testament pour coexister, pas de gain livre ça yo qui disponible. Yo te ka joine yo pour y aller qui enseignement Jésus te bail. Matthieu, Marc, Luc, Jean, livre ça yo pour te constituer. Livre ça yo te gaillé, pas de gain moun yo pour te rassembler yo. Jean nous même jodi an nou gen accès avec yo. Donc chrétien ça yo yo te non situation assez difficile. Premièrement, c'est pas de juifs. Yo pas connaît la loi de Moïse. Yo pas connaît qui enseignement qui gagne fondamentalement dans la loi. Mais yo pas connaît non plus l'enseignement de Jésus-Christ. Yo seulement gagne comme source l'enseignement des apôtres et en particulier l'apôtre Paul qui t'a fondé l'église ça et yo kon voye moun tou aller à Jérusalem côté Pierre lui-même li était siégé dans l'église de Jérusalem pour joindre et quelques mots encouragement exhortation. Donc là yo gagne un problème, là yo gagne de questions sous ça qui gagne à ouais à la fois. C'est lettre yo écrit à apôtre là pour yo mandel et sous sujet ça qui sont pensé et sous sujet ça qui sont pensé et puis à chaque fois pour l'apôtre Paul à répondre à question yo. C'est ça que fait l'appli Corinthien, on va pouvoir gagner de côté l'apôtre Paul dit pour ça qui concerne l'autre bagay yo. Ma résoudio, le m'arrivé, le m'a vini la caille. Le m'vini parmi nous, m'pap get en répondre toute question dans l'etlan. Pour l'autre ti cause yo, c'est le m'vini autour de nous, près de nous, m'a répondu yo. Donc c'est contexte ça ou doit comprendre. Première partie épître ça, mes bien-aimés. Chapitre 1 à 6 l'an, l'apôtre Paul a adressé sa litande. C'est pas ça yo mandé pour le répondre, c'est pas question yo posé, l'a dit yo, mais ça me tendait. Et ça me tendait hein, li pas fait comme content du tout. Moi tendé gagner parmi nous k'ap di nous même c'est moun l'apôtre Paul nouyé. Moi tendé gagner k'ap di nous même nous c'est moun la Apollos et nous et on l'autre groupe a dit moi c'est moun Cephas. On l'autre groupe encore a dit nous même moi même moi c'est moun Christ. Et puis l'apôtre Paul commence à interpeller yo. Pour dire yo, pas doit gagner division parmi nous. Maintenant ça, l'autre bagaille qui est important mes bien-aimés, nous devons bien comprendre. Chrétiens yo dans yon culture et source yon nan pi gros source division qui te gagné dans l'église Corinthe, c'est culture grecque lan li même. Pas oublier encore une fois, yo vin accepter le Seigneur Jésus, mais yo nan yon ville côté autour de yo ça k'ap passé, c'est division yo wè autour de yo. Dans qui sens yo wè division an? Dans culture grecque là, chaque groupe moun te bay tèt yo yon maître. Gen de maître kap bay yo de philosophie la vie, comment pou yo vivre, kap enseigner yo de bagay ki gen rapport à sagesse. C'est ça que fait chrétien sa yo te exposé à en pile fausse doctrine, philosophie les hommes, philosophie bagay ki ka fè yo bay la vie au sens. Et chaque groupe moun sa yo te gagne propre instructeur pa yo, propre maître pa yo. Ça c'est ton première cause qui fait division après le rentrer dans l'église Corinthe. Même Jean lié dans monde là côté yo te ye yon. Chaque groupe moun te gagne maître pa yo. Yo pral gen tendance là yo rentrer dans l'église de Jésus-Christ reproduit même bagay qui te gagné là yo pou ko accepter le Seigneur. Chaque moun pral chercher bay tête yo yon maître. Gen ki pral di nous même nous c'est moun Apollos, gen ki pral di nous même nous c'est moun et Paul, nous même nous c'est moun Pierre. Yo reproduit bien-aimé même bagay là yo pou ko accepter le Seigneur, même bagay qui te gagné dans ville côté yo t'a vivre là. Yo pral reproduit là dans l'église de Jésus-Christ. Ça c'était première cause de division dans l'église là. En deuxième cause de division dans l'église de Corinthe, c'est que société en ville Corinthe, c'était une ville qui hiérarchisait. Gon question de rang social dans ville là, gon question de prestige.
M'te dit ou ville Corinthe son ville qui te gen pile commerce la donne. Gen pile brassage, moun ap rentré, moun ap sorti. Mais chaque moun nan ville sa te gen yon catégorie, yon rang en fonction de prestige ou sous son moun ki konn parler bien, sous son moun ki gen l'argent, sous son moun ki fait commerce bien. Chaque moun te gen yon rang. Eh bien mes bien-aimés dans le Seigneur, chrétien yo pral gen tendance pou yo reproduire même bagay sa yo en dans l'église là encore une fois. Yo pral gen tendance pou yo essayer identifier tête yo à mettre yo gen ki pral dou enseignant pamnan, li parle pi bien li pi konn parler. Enseignant pamnan, moi pi remen style li. Yo pral diviser sous question don spirituel yo. Gen ki pral considérer gen de don spirituel qui pi prestigieux que l'autre don spirituel. Gen ki pral utiliser don spirituel lan comme un sujet de supériorité. Tout bagay sa yo, mes bien-aimés, yo pral créer division dans l'église. Et l'apôtre Paul pour exhorter yo, li commencer par rappeler yo que tout bagay yo besoin yo déjà jwenn dans Christ, dans le sacrifice de Christ. Yo pas besoin à chercher un autre prestige. Yo pas besoin à chercher un rang supérieur. Yo pas besoin à chercher pour yo démarquer yo de l'autre frère ak sœur qui bon côté yo, parce que en Jésus-Christ, yo déjà joine tout ça yo besoin déjà. L'apôtre Paul a dit chrétien corinthio, pas grand qu'une raison pour n'ap chercher distinguer propre tête pas nous de l'autre frère pour n'ap chercher mettre tête nous dans un niveau supérieur. Bagay comme ça pas exister en Christ, parce que en Christ, le verset 5 nous dit, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. En d'autres termes, l'apôtre Paul a dit, yo, c'est pas dans éloquence, dans sagesse humaine, dans philosophie les hommes, nous qu'à chercher marque de distinction. Bagay sa yo, pas qu'à créer division, yo pas qu'à faire gagner un groupe qui sent-il plus supérieur à un autre. Parce que en Jésus-Christ, nous déjà comblés de toutes sortes de bénédictions, de richesses. C'est comme si m'tadou, bien-aimé, nous-mêmes dans l'église en là, nous t'a pensé. Parce que peut-être nous avons une entreprise qui a marché plus bien par son lot. Parce que nous ne parlons plus bien par son lot. Parce que petit nous, il fait plus gros classe par son lot. Ou bien nous fait plus gros classe par son lot. Parce que nous, c'est monde qui est venu aux États-Unis, plus bonheur par son lot. Eh bien, nous considérons bagay sa yo pour nous mettre tête nous dans un statut supérieur. Eh bien, c'est exactement un bagage comme ça qui t'a passé dans l'église là. Y a cherché qui raison qui fait yo démarquer de l'autre monde. Y a cherché qui raison qui fait que yo même yo distingué. Le c'est pas maître yo bay tête yo. C'est l'autre objet de prestige, tant qu'au don spirituel. Gen qui dit moi-même pas camarade nous, parce que c'est l'apôtre Paul même qui bombe l'évangile que m'attendais. Gen qui dit moi-même c'est pas l'apôtre Paul l'évangile pas non, c'est Jérusalem te descendre mal prendre à la source dans mes pierres. Ou connaît bien que l'apôtre Paul il pas avec Jésus du temps du ministère de Christ. Mais l'apôtre Pierre t'es parmi les premiers disciples. Ah mais gen qui dit moi-même c'est non Pierre même moi branché. Gon l'autre catégorie qui dit moi-même c'est pas ni Paul, ni Pierre, moi-même c'est Apollos. Apollos, c'était un enseignement, selon sa historien y rapporté, qui était très éloquent. Enseignement, Apollos, c'était bagaille, belle bagaille. Et qui dit, moi-même c'est Apollos, c'est dans Apollos moyé. Bon, l'autre catégorie qui dit, moi-même, bah, ni dans Paul, bah, ni dans Pierre, bah, ni dans Apollos, c'est dans Jésus-Christ. Alors, t'as dit tout, mais, groupe qui dit, c'est dans Christ lié, hein. Il fait bon choix. C'est lui qui bien choisi, parce que c'est Christ qui fait toute bagaille. Même Jean l'apôtre Paul pral exhorter yo, c'est Christ qui t'est crucifié. Nous toutes, c'est dans Christ nous ça nous yéant. Ou t'as pensé groupe qui choisit que yo même c'est Christ qui potomitan yo,
c'est eux même qui gagnent raison. Eh bien, soit comprendre texte là bien, bien aimé, même moun sa yo, le yo réclame yo de Christ, le yo dit yo même yo c'est moun Christ, c'est une façon pour yo montrer yo pas nan rang l'autre moun yo. C'est une façon tout pour yo montrer yo même yo plus spirituel que l'autre yo. Et ça dans lui-même li vinn posons l'autre problème. Li vinn posons l'autre problème parce que si ou utiliser Christ yon façon pour montrer ou supérieur à l'autre yo ou plus spirituel passer l'autre là ou pas animé par l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ li pa meto nan position pour craser l'autre là, diminuer l'autre là. L'esprit de Christ li fait ou passer prend ça qui pi faible pas au là. Même ça à plusieurs reprises la parole de Dieu enseignée, c'est pour pi faible en pi fort supporter ça qui pi faible en. Le moun yo dit yo même yo c'est moun pas Christ ou ta pensée, eh bien c'est moun ça ou gain raison. Yo te ka gain raison vrai mais c'est à qui l'esprit yo fait. Le yo dit yo c'est moun pas Christ, c'est une façon pour yo montrer c'est eux même qui pi spirituel passer tout l'autre monde. Donc yo rentre dans même logique division, même logique nous pi bon, même logique de supériorité. Et l'apôtre Paul pour l'exhorter pour le dire mais c'est Christ qui fondement. Nous pas cap utiliser Christ pour n'a nier l'autre monde, pour n'a établir nous comme supérieur. C'est pour nous youn au service de l'autre. C'est pour nous youn parler même langage avec l'autre. Qui est Paulier? Qui est Apollosier? Nous toutes nous c'est youn nan Christ. Bien-aimé, le m'appli texte ça, m'appli passage ça. M'pas connait pour où. Même gain impression, même lettre ça. Si l'apôtre Paul t'a vive jodi an, li t'a écrit même lettre ça, même Jean. Li t'a écrit le même Jean. M'pas prêt aller trop loin, on nous rete la caille nous. On nous rete dans l'église nous. Est-ce que nous vraiment gain garantie si l'apôtre Paul t'a là jodi an? Li pa tape kron on lettre comme ça à l'église missionnaire de Pembroke. Alors son question me poser à chaque monde individuellement, on nous font examen de conscience. Est-ce que si l'apôtre Paul tape vive jodi, nous gain garantie, mais bien-aimé dans le Seigneur, li pa tape kron belle lettre comme ça à l'église de Pembroke? Alors tape dit ou dit pasteur mais qui ça l'apôtre Paul tape mette dans lettre ça pour Pembroke? M'pa konnen. On nous examine ensemble. Peut-être, bah qu'on est non, mais peut-être si l'apôtre Paul t'a écrit l'église de Pembroke, il t'a écrit sous question pentecôtiste, baptiste, conservateur, libéral, des monde qui pis pentecôtiste dans l'église là que yo c'est disciple de Jésus-Christ. Peut-être des monde qui pis baptiste dans l'église là que yo disciple de Jésus-Christ. M'bata saisi ouais tout non bien-aimé. Gen moun ki gen droit pi démocrate dans l'église là, pi républicain dans l'église là au lieu yo disciple de Jésus-Christ. Alors ça c'est moi qui a fait l'esprit me travail. J'en sais rien. Mais m'a dit tête moi si l'apôtre Paul t'a écrit jodi, est-ce que le pa t'a gon lettre tout pour l'église de Pembroke? M'pa konnen rien, m'pa gen rien. Si m'te konnen m'ta dit parce que c'est au nom moun le m'a prêché la parole de Dieu. M'a prêché en tout amour et vérité. M'pa quoi nan kase fè kouvri ça parce que la vérité fòl jayi. Si m'te konnen m'ta dit comme moi pa konnen m'a fait hypothèse, comme moi pa konnen m'a supposé quelque bagay. Est-ce que si l'apôtre Paul t'a écrit, li pa t'a écrit nous sous façon nous adorer les nous réunir dans ton plan pour ki sa gen moun ki ont ti jan sentil pa trop chita là parce que c'est pas comme ça l'ta doyé. Est-ce que nous toutes nous pa youn nan Christ? Est-ce que gen nan nou youn ki supérieur à l'autre? Est-ce que parce que anglais pour la plus raffiné que anglais pam nan, ça fait ou pas frem encore? Est-ce que bagay sa yo l'apôtre Paul mais bien-aimé dans le Seigneur pa t'ap utiliser pour nous? Est-ce que l'apôtre Paul pa t'ap utiliser question don spirituel yo pour parler avec nous? Est-ce que parmi nous pa gen moun ki pensait parce que li gen don de révélation, bon Dieu toujours ballon on songe, bon Dieu avertit le sac à privé? Li pa mette dans tête li pi spirituel que l'autre là. C'est lui même qui pi ka prier, c'est lui qui compte prier.
Est-ce que l'apôtre Paul part à adresser nos bien-aimés sous façon nous penser si c'est pas nous qui faisons bagaille en pas bon? Bah qu'on si ça existait, mais peut-être que l'existait. Est-ce que parmi nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, pas des monde qui mettait dans tête les ministères ça, si c'est pas lui qui exerçait, quel que soit l'autre monde qui a exercé, il est pas bon? Est-ce que l'apôtre Paul pas grand-rien pour le dire nous? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu qui t'a inspiré Paul pour l'écrire aux chrétiens de Corinthe, est-ce que le Saint-Esprit pas t'a inspiré? Et est-ce que c'est pas même Saint-Esprit ça qui inspiré pour me poser nos questions ça ou à soya? Est-ce que pas gagne division dans l'église là sous leader yo? Oh, nous gagne de leader qui a servi. Est-ce que entre nous, membres de l'église, membres du corps de Christ, pas gagne nous qui a fait division autour de leader yo? Réfléchis bien. Est-ce que quelque part nous certains que nous cocher case ça, nous passer, nous réussir examen ça? Si examen t'a fait, même j'en l'étais fait pour chrétien corinthio, s'il t'a fait pour nous t'a gagné 10 sous 10 sous lit. Est-ce que nous qu'a dit nous t'a gagné 10 sous 10 bien-aimés? Est-ce que pas gagné division parmi nous? Est-ce que pas gagné petit querelle parmi nous? Est-ce que parmi nous dans les différents ministères mes bien-aimés, pas gagné dans nous qui pas parler avec l'autre? Me senti le Saint-Esprit bon Dieu a interpellé nous pour nous faire attention. Le Saint-Esprit de Dieu voulait exhorter nos bien-aimés pour nous gagner un même esprit. Un même esprit. Nous avons commencé tant d'exhortations ça avec parole ça. Et m'a fini avec même parole là. Gagner un même esprit. Gagner un même langage. Pas voulait dire nous toujours d'accord sur tout bagay. Nous gen droit pas d'accord sur tout bagay et gen place pour désaccord. Même dans l'église de Jésus-Christ capable gagner désaccord. Cependant désaccord là n'est pas supposé yon source de division. Désaccord là puisque nous animés par yon même l'esprit qui c'est l'esprit de Dieu, li doit amener nous à yon table dans l'amour pour nous joindre qui ça la parole de Dieu enseigner sous désaccord nous gagnons. C'est même gens dans un mariage, ça qui fait un mariage possible pour nous autres chrétiens, c'est le mari à madame qui gagne un désaccord et puis ensemble ils décider à consulter la parole de Dieu sous désaccord ça. Et si la parole de Dieu pas t'a adressé désaccord mari avec madame dans directement gagnant, yo ka al devant bon Dieu dans la prière. Le gen désaccord dans yon foyer, mari ak madame nan yo pa d'accord sou ki direction pou yo aller. Yo gen yon autorité sou tête yo, yal consulter autorité a. C'est ça qui fait mariage nou en tant que chrétien, li gen yon bénédiction spéciale parce que tous les deux moun yo d'accord, nou gen yon autorité nou capable al consulter si nou pa d'accord. Eh bien, c'est qu'on s'allie dans l'église de Jésus-Christ, capable de gagner de désaccords. Mais au beau milieu des désaccords, nous d'accord devant désaccords pour nous consulter l'Éternel. Nous d'accord dans désaccords pour nous porter dossier devant bon Dieu. Nous pas quitter désaccords à créer division. Bien-aimé, je voulais exhorter nous à soya. En nous marcher de même pas, en nous marcher avec yon même l'esprit, en nous retirer vieille dispute, querelle, division, le moi, qui pap servi nous en rien. Nous tout qui la jodi, en nous pas kon kote na pied demain. En nous fait en sorte que tant bon Dieu mette nous ensemble, non, c'est un temps qui fait nous youn et de l'autre grandi. Demain si bon Dieu vle si m'pa là, si bon Dieu t'a relé pour voyer me quelque part d'autre, moi t'a remé qu'on est passage moi parmi nous, li te permettre que nous grandis. Même gens, moi qu'on est nous-mêmes tout nous t'a remé tant que m'a fait parmi nous. Hein. C'est un temps le m'a parlé de nous pour m'a dit
Oh, le m'te pas mi bien aimé ça, m'te senti l'amour de Jésus. M'te senti yo vraiment traversé, pas ça y ap di, hein. C'est pas moun ki tap parlé nan bouche. Servante nan tap prié li di pour nous pas nan hypocrisie. M'ta remè si nous pas ta ensemble encore pour yon raison quelconque. Souvenir nous gagne youn de l'autre, son souvenir d'unité, son souvenir d'amour sincère. Son souvenir côté moment ça yo t'a manqué nous, on dit waouh, me songer l'homme t'est parmi l'assemblée des saints de l'église missionnaire. Comment m't'ai senti bien? M't'ai senti parmi frère avec sœur tout bon. Bien-aimé, pas grand rien qui sérieux de en rien encore non. Pas grand rien qui sérieux non. Jodi on l'on pas compte côté pied demain, jodi on compte qui capacité au gagner. De mon pas connaît comment la pied fait jodi en tourné yon jour côté pour soyon source de bénédiction pour frère ak sœur ki bon koto. Pas gen temps pour la haine, pas gen temps pour parler moun mal, pas gen temps pour querelle, pas gen temps pour faire division ti pil gros pil, pas faire bagay sa yo. C'est pas volonté bon Dieu, li pas fait bon Dieu plaisir. Bon Dieu pas remet ça. Bon Dieu pas remet ça. Priez bon Dieu. On connaît grand pile dans nous peut-être. Qui gen doit pas même conscient parce que li vin nou habitude nous parler de moun n'importe jan nous. Baga, di Seigneur, pas quitter me tomber dans mauvaise habitude ça yo. C'est pour parole nan bouchou, c'est toujours de parole de bénédiction. C'est pour parole ou prononcer sous la vie moun, ni devant moun nan ni derrière, c'est parole de bénédiction pour prononcer. Oh l'apôtre Jacques, l'apôtre Jacques a dit, yon sous li pa ka bay de l'eau, li pa ka bay de l'eau propre pour bay de l'eau sale en même temps. Pa les paroles malédiction, béni, pa maudit, béni, pa maudit, béni, pa maudit. Bon Dieu vle pour moi-même avec ou mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous soyons source de bénédiction. Nous soyons source de bénédiction. C'est volonté bon Dieu pour nous vivre dans l'unité. C'est volonté bon Dieu pour nous vivre de même accord, de même pas. Nous pourrons passer l'éternité même côté. Je ne sais comment on fait. Si on ne peut pas supporter depuis sous terre, comment on peut le supporter avec bon Dieu? On peut passer l'éternité avec ou pas qu'à supporter? C'est l'éternité pour le passer avec lui. Je ne sais pas si vous réalisez ça, bien-aimé. Ou pas le passer l'éternité à ce âme, ou pas même qu'à dire le bonjour, ou pas même qu'à saluer l'après-service là. Depuis service là, ou à chercher pour un petit coin, pour regard ou pas croiser à regard ce âme, parce qu'on va le saluer. Et puis, ou pas le passer l'éternité avec elle. Il y a un petit problème, oui, bien-aimé, il y a un petit problème. Saint-Esprit bon Dieu a parlé avec moi. Saint-Esprit bon Dieu a parlé avec vous. On nous marche de même pas. On nous vive dans le même esprit. Qui te querelle qui pas petit là rien. Gon serviteur qui te remédie et m'te kon remé le dit ça. Nous pas moun qui gen problème kap goumen pour terre. Nous pas gen même héritage. Même moun kap goumen pour terre pour héritage famille, yo kon jwenn gens yo entente yo. Bon nous même nous pas gen problème ça yo à combien plus de fort raison bien-aimé. Nous c'est moun Christ. Nous c'est moun Christ. On nous fait la paix yon ak lòt. On nous remet d'un amour sincère. On nous remet Jean-Christ mande nous remet. Et pas oublier tout bagay sou tè sa. Tout bagay sou tè sa ki te ka en source de division. C'est bagay k'ap passé. Nous gon bagay ki solidifie nous ensemble, ki cimente nous. C'est l'amour de Jésus et jusque dans l'éternité. L'amour de Jésus a prêté. Soyez encouragés par ces paroles. Restez unis, restez dans la paix et que la grâce de Dieu vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.